Salut tout le monde, c'est STM59, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes ensemble pour le spécial créateur Extreme Ninja numéro 21 consacré au créateur Roxy 3. Et nous démarrons tout de suite la première piste, alors c'est Comédon du créateur Roxy 3 du type Trial, difficulté Extreme Ninja. Et franchement ça m'a envoyé du lourd cette semaine. Et pour cette piste nous allons prendre le replay de Apache 2, un très bon rider. Donc c'est parti. 3, 2, 1, go! Et c'est parti, donc à page 2 sur cette piste. Donc une piste avec des contacts roue avant, roue arrière. Et c'est chaud, patate. Donc les plots bleus, c'est la roue arrière. Les plots verts, c'est la roue avant. Pas le droit à l'erreur. Si on inverse, ben, boum, chocolat, on est up. La partie physique, là, j'aime beaucoup, là, ça monte sur la roue avant. C'est vraiment technique, faut rester zen. Et il est à l'aise sur cette piste. Alors, on passe le petit muret, réception. Là des petits bunny up sur la roue arrière. Et là on grimpe. Alors là regardez, toute beauté. Boum. Et là faut descendre pour accéder au reste de la piste. Grosse ligne droite, petit saut, et c'est la fin. Donc bravo à Page 2 pour cette piste, pour son run. Et on passe tout de suite à la deuxième piste. Alors c'est Hello World, toujours du créateur Roxy 3, toujours du type Trial, toujours à la difficulté extrême Ninja. Et pour cette piste, nous allons prendre le replay de Till 71. Till, je te fais un gros coucou. Donc Till qui s'occupe principalement de la chaîne Trial TV où il fait pas mal de vidéos et s'envoie du pâté. 2, 1, go, c'est parti. Till sur cette piste. À l'aise, à l'aise. J'aime beaucoup la déco de cette piste. Il y a de la dynamite. Comme toute bonne piste Extreme Ninja. Donc là, faut continuer de passer gentiment. Sans stress, j'aime beaucoup l'effet du coffre qui se ferme quand on arrive sur l'endroit. Il a une grosse accélération, gros saut. Oh là là, c'est joli ça, le salto avant. Là on regrimpe, on stresse pas, il lâche rien. Till allait sur cette piste. Oh c'est joli ça. Et là, gros gros salto avant. Et c'est la ligne d'arrivée. Donc bravo à Till 71 pour son run. Ça envoie du lourd. Et on passe tout de suite à la troisième piste. Alors c'est Red Alert. Toujours du créateur Roxy 3. Toujours de l'extrême, toujours de la difficulté Extreme Ninja. Et pour cette piste, nous allons prendre le replay de Roxy 3. Qui mieux que lui pour nous présenter sa piste. Donc c'est parti sur son run. 3, 2, 1. Go, c'est parti, Roxy 3 sur sa propre piste. Alors c'est une piste mécanique, il y a des rampes qui sont articulées. Et là pareil, faut pas toucher tout ce qui est rouge. Sinon c'est boum. Des petits passages de musique sur cette piste, ça, c'est super super pas mal. Super pas mal, je sais pas si ça se dit ça en fait. Je crois pas non. Là, faut grimper. Un long saut en avant pour pas toucher la raie rouge. Alors là, là j'avoue, faut aller chercher, faut rentrer dans le rond sans trop toucher, sans rien. Et là, le gros rebond en montée, c'est chaud. Donc faut faire un bunny up, mais reprendre de la hauteur tout de suite pour pouvoir accéder à la rampe comme là. Un long saut. Et ça passe sans problème. Roxy 3. Qui est un très très bon créateur. Hein. Il fait de très très bonnes pistes. Et là, faut monter. Ah. 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 Petite mise en place. La déco est super sur cette piste. Hein. Moi j'aime beaucoup.
ce petit passage juste avant, il est traître. Hein. Pas touché, on voit rien. Et là, petit salto, grosse accélération. Et c'est la ligne d'arrivée. Donc bravo à Roxy 3 pour son run et pour sa piste. Et on passe tout de suite à la quatrième piste. Alors c'est Flyordi. Toujours de Roxy 3. Toujours de l'extrême. Toujours de la difficulté ninja. Et pour cette piste, nous allons prendre le replay de Woubronx Kilo. Woubronx Kilo, je te salue. Et là aussi, c'est du lourd. 3, 2, 1, go! C'est parti! Woubronx Kilo sur cette piste. Alors, une super déco sur cette piste. J'aime beaucoup la déco bois. Côté un peu sauvage comme ça. Et Woubronx Kilo est vraiment à l'aise. Sur cette piste, il n'y a qu'à regarder. Il maîtrise totalement son environnement. Et là, faut grimper, aller chercher. Regardez-moi la déco de cette piste. C'est du bois, c'est tout simple. Mais c'est bien réalisé. Là, on reprend de l'appui. Faut pas poser la roue avant sur ces rampes. Que de la roue arrière. Donc, faut aller chercher. Hein. Ça paraît simple, mais c'est loin d'être simple. Toujours roue arrière. Ah ouais, c'est pas évident du tout. Tout sur la roue arrière comme ça. Appui roue avant. Grosse accélération. Oh, c'est joli ça. Alors, il y a de la dynamite comme toute bonne piste. Et là, faut pas passer comme un ouf. Mais gentiment, se laisser descendre. Ah, ça fait super ça, le sol qui souffle quand, après la réception de la moto. Là, petite mise en place. Il se place et là, grosse accélération pour du contact roue arrière. Gros saut. Roue arrière. Roue arrière. Ah là là là, faut aller chercher celui-là, franchement. C'est beau. Gros saut, c'est la ligne d'arrivée. Donc bravo à Woubronx Kilo pour son run. Donc voilà, bah c'était les pistes que je vais vous présenter, le créateur, Roxy 3. Donc toutes les pistes sont disponibles sur le central des pistes du jeu Trial Evolution. N'hésitez pas à me laisser vos coms comme d'hab sur ma chaîne, sur les vidéos. Et moi, bah, je vous dis à bientôt les amis sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Allez, bye bye!